Alors aujourd'hui, Rémi, le mouvement, il a pris un nouveau cap hein, quand même, mais quelques nuages sont apparus, des nuages qui viennent du fait que les forces de l'ordre ont usé de la violence face aux étudiants. Ah oui, Yanis, il y a eu quelques nuages, on observe des tentatives de déblocage par la force. Vendredi, un groupe d'extrême droite a tenté de prendre d'assaut le campus bloqué de Tolbiac. Et là, les forces de police interviennent dans plusieurs universités pour déloger les grévistes. Ce matin, à Lille 2, des étudiants et des enseignants ont été gazés par la police. À Nanterre, il y a en ce moment une intervention policière. Il y aurait eu plusieurs arrestations très violentes. Et des grévistes sont en train de se rassembler devant le commissariat de Nanterre où sont retenus les étudiants. Mais dans le reste des universités, le temps est plutôt clair. Ce mouvement est dans sa phase ascendante. On le voit sur notre carte, Metz, Dijon ou encore Chambéry rejoignent la liste des campus en grève. Et ce week-end s'est déroulé à Nanterre la coordination nationale étudiante. C'est l'événement où se réunissent des délégués de toutes les universités mobilisées. Ces délégués élus par leurs assemblées générales se retrouvent pour décider ensemble des modalités d'action du calendrier et des revendications. Et 35 établissements y étaient représentés. Ils appellent ensemble à une journée de manifestation étudiante demain, mardi 10 avril. Bon, la fin de l'année universitaire approche et beaucoup se demandent comment les étudiants vont faire avec les partiels. La ministre Frédérique Vidal fait le tour des médias pour dire qu'ils auront lieu. En vérité, c'est pas aussi simple. Des syndicats enseignants appellent à la grève et à refuser d'organiser les examens. À Lille, les enseignants grévistes ont annoncé qu'ils vont boycotter les partiels. En fait, ça se décide au cas par cas. Et pour en parler, on a interrogé Florent Chapelle, il est porte-parole de Solidaires étudiants. On lui a demandé comment il compte gérer la mobilisation et les examens. On l'écoute. Alors, les examens... Alors, le fait qu'ils aient lieu, ça dépend exclusivement des présidents d'université et des enseignants d'université. Le ministère, déjà, n'a pas son mot à dire sur la question des examens. Et Madame Vidal peut dire tout ce qu'elle veut sur les examens auront lieu, ça ne dépend pas d'elle. Donc elle promet rien du tout, elle promet du vent, ça ne la concerne pas. Donc, comme la dernière fois, ça dépend également des rapports de force sur les campus universitaires. Ça dépend si les cours ont été très perturbés ou non. Ça dépend de est-ce que les profs soutiennent plus ou moins la mobilisation sur le campus en question. Voilà. Donc sur les universités les plus mobilisées, je pense à Toulouse, je pense à Montpellier, je pense à Nantes notamment, mais d'autres également. Ou à Clignancourt d'ailleurs, eh bien, les présidences n'ont pas vraiment le choix que de trouver des moyens alternatifs d'évaluer les étudiants. Il y a une revendication qui est ressortie qui semble arranger le plus de monde, que ce soit les étudiants mobilisés ou les étudiantes non mobilisées qui n'ont pas eu leur cours. C'est celle du 10 sur 20 pour tout le monde et la possibilité de passer les examens pour celles et ceux qui souhaitent améliorer leurs notes, compenser une matière du premier semestre ou tout bêtement améliorer leur dossier. Ça, c'est une modalité qui satisfait le plus grand nombre. Alors, par ailleurs, le mouvement de boycott de Parcoursup par le personnel universitaire s'étend. Et de mon côté, Yanis, je vais continuer à suivre de près le mouvement dans les universités, surtout qu'il y aurait visiblement une volonté de l'État de mettre fin au mouvement par la force.